Alors, je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères. De l'ONU. Et il y a 2 jours, il y a une historienne africaine qui est Madame Konaré, qui est l'épouse d'un ancien président malien et qui a envoyé une pique à Sarkozy en disant, mais voilà, le président français ignore complètement l'histoire de l'Afrique. Elle a appelé des historiens africains à rédiger un bouquin d'histoire de l'Afrique pour revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en juillet à Dakar. Rappelez-vous, il avait fait un voyage où il avait dit, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, ce qui témoigne de la part du président d'une ignorance crasse, car en effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains, puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est pas si bien, parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré 15 siècles, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Mmh. Il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. Il s'est fait taper sur les doigts par Jacques Chirac sur ce discours africain qui a été hyper marqué. Mais à juste bourde, titre, il y a eu des empires historiques. Oui, qui faisaient 2000 km de long. Par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali qui s'appelle Mansa Moussa et qui fait un pèlerinage à la Mecque. Au passage, il s'arrête au Caire. Il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or. C'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume de l'époque. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite, et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. Alors l'excuse de Sarkozy, bon, c'est explicable. Son ignorance de l'Afrique, parce que, en effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Mais il y a, sans jeu de mots, un trou noir. C'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang. On sait qu'il y a les Aztèques et les Incas. On connaît Raskar Kapak ou les rois. Je suis pas sûr que ce soit enseigné, hein, ça. C'est enseigné, ça. Et ça n'est pas enseigné. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée. Alors quand, il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France. Voilà, comme si on avait honte de les avoir colonisés. Quand Madame Konaré dit les historiens africains devraient faire un livre d'histoire pour Nicolas Sarkozy, c'est une provocation, parce qu'en fait ce livre d'histoire existe, elle le sait très bien. Ça s'appelle Histoire générale de l'Afrique, ça a été publié par l'UNESCO il y a quelques années, il y en a 8 volumes. Voici le volume numéro 2, Afrique ancienne. C'est tout à fait passionnant. Et puisqu'on est donc l'histoire de l'Afrique, voilà. Il fallait se dire que. C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est très utile de dire que le noir descende de son cocotier, qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit, et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit, c'est pas une tête d'arabe ça, le sphinx, les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde les coptes autour et il se dit, c'est un croisement entre un noir et un blanc, enfin il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé, c'est dans ses écrits, hein. Volney dit, le sphinx est noir, enfin le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une précision, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez des noirs et au nord. Bien sûr, des mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil. Et donc après, c'était un bassin métissé. Mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau. Et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là. C'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui
il y avait un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des Caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le Nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà, là, on est vraiment dans un conflit où le Moras est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé, voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et voir, essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotype différent, etc. Ouais. Voici à peine une centaine d'années, Karl Mosch, un chercheur d'or d'origine allemande, s'aventurait dans ces régions reculées et au terme d'une longue piste tombait sur ces murailles. C'était le premier homme blanc à les contempler. Ce qu'il avait découvert, mais il l'ignorait, c'était les plus grandes constructions humaines de toute la vieille Afrique, au sud de la vallée du Nil. Qu'était-ce donc que ces ruines mystérieuses, découvertes au fin fond de l'Afrique? Dans le monde, hors de l'Afrique, on ignorait tout de l'histoire ancienne des peuples noirs. Aujourd'hui, enfin, on commence à apprendre. On sait que ces impressionnantes murailles s'élevaient au centre d'un puissant royaume noir. Comme dans une forteresse, des monarques vivaient leur royale solitude, qui ajoutait à leur mystère, comme il convient à la condition royale. Investis des pouvoirs religieux et temporels, ils incarnaient le bien-être du peuple. Une cité de pierre au cœur de l'Afrique. Pourtant, les Blancs qui les premiers la découvrirent étaient si aveuglés par leurs préjugés qu'ils ne pouvaient en accepter l'évidence. Plutôt que d'admettre la possibilité de l'existence d'une histoire véritablement et exclusivement africaine, ils trouvèrent des explications fantaisistes. Par exemple, ils parlèrent de rites en l'honneur de lointains monarques comme le roi Salomon et la reine de Saba. Le philosophe allemand Friedrich Hegel avait donné le ton. Bien que n'étant jamais allé en Afrique et ignorant tout de ses habitants, voici ce qu'il en disait publiquement en 1831. L'Afrique est le pays où les hommes sont des enfants, une terre à l'écart de la lumière de sa propre conscience historique et baignée par les couleurs sombres de la nuit. À ce point, oublions l'Afrique et n'en parlons plus, car l'Afrique n'appartient pas à l'histoire du monde. Hegel n'était pas seul à penser ainsi. Ses propos étaient très écoutés. Richard Burton, un explorateur anglais, qui lui connaissait l'Afrique et avait étudié certaines de ses langues, de ses coutumes, disait ceci. L'étude des Noirs, c'est étudier l'esprit humain à son stade le plus rudimentaire, des êtres qui ressemblent davantage à une dégénérescence de l'homme civilisé qu'à des sauvages susceptibles de le devenir, ne serait-ce que par leur inaptitude au progrès. Leur naturel est impropre à l'éducation ou à la culture. Ils semblent appartenir à l'une de ces espèces infantiles, ne pouvant accéder à la condition d'homme, tel un maillon interrompu de la grande chaîne de la nature. Samuel Baker, un autre explorateur célèbre qui traversa cette région à la recherche des sources du Nil, écrivit dans ses mémoires. La nature humaine, à son stade le plus grossier, comme j'ai pu l'observer chez les sauvages africains, est précisément du niveau de la brute et ne saurait être comparée au noble caractère du chien. On ne trouve chez eux ni gratitude, ni pitié, ni amour, ni don de soi. Rien que la cupidité, l'ingratitude, l'égoïsme et la cruauté. Impardonnable, les Européens des 18e et 19e siècles préférèrent oublier ce que leurs ancêtres savaient fort bien, à savoir qu'en Afrique occidentale avaient prospéré de nombreux royaumes aussi somptueux et bien gouvernés que d'autres en Europe médiévale. Qui plus est, les récits des commerçants et des diplomates
ayant circulé dans ces royaumes, n'était imprégné d'aucune attitude de supériorité raciale. Le racisme, en fait, est un mal relativement moderne. Rien n'illustre plus clairement les changements qui allaient se produire que l'art européen de la Renaissance, et même antérieur à la Renaissance. Dans ces tableaux, blancs et noirs figurent avec une égale dignité. On n'y trouve aucune allusion à ce que plus tard, le monde devait appeler la nature humaine à son stade le plus grossier. Et cette reconnaissance d'égalité entre blancs et noirs prédominait aussi au Moyen-Âge. Saint Maurice, qui était noir, comptait parmi les saints vénérés en Europe centrale. Nous le verrons, il est l'un des héros de cette histoire. Qu'y a-t-il donc à l'origine de ce changement radical d'attitude chez les Blancs? L'histoire nous donne la principale réponse, le commerce des esclaves vers le Nouveau Monde. Accrochés dans leur forteresse de la côte occidentale de l'Afrique, les nations européennes se concurrençaient dans la déportation de millions d'hommes et de femmes noires. Les canons de ces Blancs n'étaient pas pointés vers l'Afrique, souvent considérés comme source de danger, mais vers l'océan, prêts à affronter les navires rivaux pouvant soudainement apparaître à l'horizon. Bien sûr, les Africains n'ont pas été les seules victimes du racisme et des préjugés de couleur. Mais s'ils ont davantage souffert que les autres peuples du monde, la raison en est d'abord là. Pendant plus de 300 ans, cette superbe côte a été le théâtre de la cruauté organisée et systématique. Des années durant, les Noirs, arrachés à leur foyer, furent précipités dans le monde de misère et d'humiliation des Blancs. On les considérait comme moins qu'humains, comme des objets à acheter ou à vendre, comme du bétail contre lequel tout acte de violence et d'avilissement était justifié. Partout où le trafic des esclaves a sévi, la stabilité et les structures de la vie africaine furent anéanties. Et avec elles, le respect mutuel ayant préalablement existé entre blancs et noirs. Le trafic des esclaves a cessé depuis longtemps. Il faut à nouveau réfléchir. Toutes ces vieilles idées sur l'infériorité des Noirs étaient complètement fausses, sans fondement. Elles doivent être balayées de notre esprit. Et alors, que de vérités à découvrir? Grâce au progrès de la science, on tient pour sûr aujourd'hui que les Noirs ont leur propre histoire, aussi riche et étrange, longue et surprenante parfois, que l'histoire de n'importe quelle autre branche importante de l'espèce humaine. Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle, voici dans le tombeau de Ramsès III, au 12e siècle avant Jésus-Christ, les quatre races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique.
de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent, représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau, cependant, est une rare exception. C'est le seul, semble-t-il, qui démontre si clairement le point de vue du professeur. Le même tombeau sur le même plan. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. Hein? L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie, parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié, parce que ce sont des savants de très haut niveau. Ce n'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.